L'information tant attendue vient juste de tomber. La liste du nouveau gouvernement que je vais découvrir en même temps que vous. C'est pas tous les jours que nous recevons sur ce plateau le secrétaire général de la présidence de la République. Bonsoir, Monsieur Berthé. Merci à Yaoué Touré. Avec vous, la liste du nouveau gouvernement. Bien. Avec votre autorisation, je vais vous donner lecture du décret portant nomination des membres du gouvernement. Décret numéro 2012-710, PRM du 15 décembre 2012, portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2012-708, PRM du 11 décembre 2012, portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre, décrète, article 1er, sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de l'économie, des finances et du budget, M. Tienan Koulibaly, ministre de la défense et des anciens combattants, général Yamoussa Camara, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Tiémant Hubert Koulibaly, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, colonel Moussa Senko Koulibaly, ministre des Mines, docteur Amadou Babassi, ministre de l'éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, monsieur Boukar Moussa Diarra, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Messaoud Ould Mohamed Labib, ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les institutions, M. Mamadou Namouri Traoré, ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, Maître Demba Traoré, ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, Général Tiefié Konaté, ministre de l'Agriculture, M. Baba Berthé, ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Malik Koulibaly, ministre de l'Équipement et des Transports, colonel Ablaye Koumaré, ministre de la Santé, M. Soumana Makadi, ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Abdel Karim Konaté, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, M. Yeya Ag Mohamed Ali, ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, M. David Sagara, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dr Diallo Dedia Mahaman Katra, ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies, M. Brahima Tolo, ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, Madame Alwata Ishata Saï, ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Makan Tunkara, ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, M. Ousmane Agrissa, ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Amin Founé Mahalmadan, ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des Personnes âgées, Dr Mamadou Sidibé, ministre de l'Élevage et de la Pêche, Madame Diané Mariam Kone, ministre des Affaires religieuses et du Culte, Dr Yacouba Traoré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur Manga Dambélé, ministre de la Culture, Monsieur Bruno Maïga, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du Budget, M. Marimpa Samoura, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, chargé de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, M. Abdourahmane Oumar Touré. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel, fait à Bamako le 15 décembre 2012,
signé du président de la République et du Premier ministre. Voilà, merci, Ahoui Touré. Merci, monsieur Berthet. On peut poser la question. Vous êtes passé ministre? Oh, mais écoutez, par la bénédiction de tous les parents, toute la famille et de mes collaborateurs. Merci, monsieur le ministre.